Hello mes citrons, j'espère que vous allez bien et moi je vais très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais réagir à une histoire faite à partir de Movie Star Planet. Donc si vous voulez que je réagisse, si vous êtes vous-même youtubeur ou si vous-même vous mettez vos vidéos de vos histoires MSP sur YouTube, tout simplement n'hésitez pas à me mettre en commentaire que vous voulez que je réagisse à votre histoire MSP. Alors je réagis principalement aux séries parce que du coup si je montre un épisode de la première du premier épisode de la série, et ben ça vous donnera peut-être envie de regarder la suite sur la chaîne de la personne. En gros c'est une situation, non je sais pas, non pas du tout, c'est pas du tout ça. qu'est-ce que je disais, ouais non parce que du coup là j'ai marqué vraiment j'ai une vidéo réaction aux histoires MSP et je pense que Nelly a pas tout compris, mais bref je reviens à l'explication. Du coup ça vous donnera peut-être envie d'aller sur la chaîne de la personne qui a créé cette histoire pour regarder la suite de sa série, tout simplement parce que si je vous montre une vidéo d'une histoire qui a pas de suite, ça vous donnera peut-être pas envie d'aller directement sur la chaîne voir la suite parce qu'il n'y a pas de suite, bref vous m'avez compris. Et aujourd'hui on va réagir à la série de Odlin MSP qui s'appelle Bad Secret Life. Donc c'est une série qui est encore en train d'être faite et il y a beaucoup d'épisodes déjà sur sa chaîne, donc vous aurez énormément de vidéos à rattraper sur sa chaîne, voilà, donc n'hésitez pas, lien dans la description pour aller voir la suite. Écoutez, c'est parti, on va réagir au premier épisode de sa série. Donc voilà, nous sommes sur sa vidéo qui va bientôt commencer. Donc je rappelle, si vous voulez que je réagisse à votre série, mettez-le tout simplement dans les commentaires et j'irai voir votre chaîne pour voir si je peux faire une vidéo sur votre série. Voilà, bah écoutez, c'est parti, on regarde Bad Secret Life, l'épisode 1 de la saison 1. Donc si je me rappelle bien, sa première saison, elle est finie, mais elle est tout simplement en cours sur la saison 2. Donc voilà, bah écoutez, c'est parti, on va regarder ça ensemble. We got distance, but the same moonlight, you're here with me. Alors déjà je mets sur pause, on va déjà réagir à l'introduction, parce que franchement l'introduction, vraiment j'applaudis, oh, elle est magnifique, hein. On va pas se mentir, vraiment l'introduction est vraiment très belle, je sais pas si vous pensez la même chose que moi, et du coup on commence avec « Salut, moi c'est Lexi et j'ai 17 ans, aujourd'hui c'est la rentrée et je vais retrouver mes amis, mon mec et les autres, c'est parti !» Je ne suis vraiment pas enthousiaste de retourner au lycée car une fois rentrée dans celui-ci, les filles ne peuvent pas en ressortir avant d'avoir terminé leurs études. Pourquoi? Eh bien tout simplement car dans mon lycée, les garçons jouent à un jeu. Attendez, j'ai pas eu le temps de lire la fin. Je pense que si on lit dans la tête, ça va plus vite un jeu. Enfin, si on peut vraiment appeler ça un jeu. Oh, c'est très intéressant. Très intéressant. Chaque année, des centaines de filles se font violer par les garçons du lycée. C'est une compétition... Attends. C'est une compétition, celui qui arrive à violer le plus de filles gagne des points. Chaque fille voit un point en fin d'année, il totalise tout. Et celui ayant remporté le plus de points gagne le prix qu'il veut. L'année passée, c'est Jaden Scott qui l'a remporté et il a remporté une grosse voiture de sport. Ah bah dis donc, franchement, enfin l'intrigue elle est un peu glauque, mais moi j'aime bien personnellement. Moi j'aime bien les trucs glauques, etc. Parce qu'en fait, c'est un peu réaliste, hein. Il y a vraiment des... Enfin, ça va peut-être pas aussi loin, mais il y a vraiment des... En Amérique, des histoires comme ça qui se sont réellement passées. De une liste avec des filles qui valent tel ou tel nombre de points, plus la fille elle est inaccessible, etc. Et s'ils arrivaient à les pécho, pas forcément violer, mais à les pécho, etc. Ce que je trouve déjà que c'est assez glauque. Et bien, ils gagnaient des points, etc. Il y avait comme un sorte de concours. Mais franchement, pour le moment, c'est glauque, quoi. Je trouve ça vraiment dégueulasse ce qu'ils nous font, mais bon, c'est ainsi. Heureusement pour moi, je ne me suis jamais faite violer, étant donné que je sors avec le mec le plus populaire du site, Blake Williams. Aucun garçon n'ose toucher par peur... j'ai pas le temps de dire... Par peur que Blake leur détruise la vie par la suite. Bref, je dois partir au lycée, oui, ou je vais être en retard. Salut ma vie, salut Sean. Salut bébé, tu vas bien? Oui, mais tu as fait quoi? Ah, tu joues? Tu saignes? Ah, ta joue, pardon. Et t'as un œil au beurre noir? Je vais baisser le son.
C'est rien de grave, je me suis encore battue, rien de plus. Tu ne changeras décidément jamais, ce n'est pas en te battant que tu réussiras ta vie, Blake. Pourtant, les boxeurs gagnent bien leur vie en se battant, eux. Mais tu n'es pas boxeur, mais lycéen. Oh, c'est bon. Je dis ça pour ton bien, tu imagines s'il t'arrivait quelque chose de grave un jour? Ça n'est jamais arrivé, j'ai toujours gagné un combat à main nue, et puis... Et puis quoi encore? Si je n'agissais pas avec les poings, à chaque fois que tu te serais sûrement déjà faite violer. Oh là là, pff, si tu le dis. Salut Lexi. Alors Lexi, voici Mia et Kimberly, on est meilleures amies. Depuis la première, on forme le plus beau de tous les trios, il n'y a aucun secret entre nous. Voilà, donc c'est ses amis. Ah les filles, vous tombez bien, regardez comment cet abruti s'est encore amoché. Enfin, je suppose qu'il s'est encore battu. On change pas les habitudes. T'arrêteras pas de me regarder comme ça, pervers. Alors, Rebecca, la fille la plus chiante du collège, c'est une vraie peste celle-là. Je ne te regardais pas. Je vous présente Mason, une rumeur dans le lycée dit comme quoi il serait gay, mais qui participe au jeu juste pour se ressembler aux autres garçons. D'accord. Ma chère Rebecca, tu sais bien que Mason est gay, n'essaie pas d'attirer son attention. Charles, lui, c'est le mec le plus mystérieux du lycée, il est populaire lui aussi, mais personne ne sait vraiment qui il est vraiment. Je le trouve étrange. Même Blake, qui est pourtant son meilleur ami, n'a pas l'air de le connaître plus que ça. Je sais pas, mais moi, je pense que c'est peut-être l'un des violeurs en série, de la série. À voir. Je n'ai pas besoin d'attirer l'attention, mon corps de rêve vous attire tous sans effort. Peu importe, laisse le petit gay, il en a rien à branler de ton corps. Je ne suis pas gay, arrêtez. Donc tu observais réellement mon corps? Oui, qui ne serait pas attiré par un canon de beauté comme toi. Jayden, où vas-tu? Je n'écouterai pas plus vos histoires de gosses. Alors Jayden Scott, le gagnant de l'année passée, Rebecca l'énerve plus... je suis de la merde, je vais baisser le son parce que je parle fort. Jayden Scott, le gagnant de l'année passée, Rebecca l'énerve plus que tout, même s'ils traînent ensemble. C'est simplement qu'à Rebecca, l'école, lui et Mason, tout le monde pense que cette peste de Rebecca aime Jayden, mais celui-ci n'en a strictement rien à faire. Les gamines capricieuses dans son genre l'énervent plus que tout au monde. Ah mais ils traînent quand même avec, ils sont meilleurs amis, mais ça l'énerve en fait. T'as fait fuir Jayden, c'est pas très malin. Parce que tu crois être malin, toi tu m'agaces. Choupette, calme-toi s'il te plaît, je ne pense pas que tu veuilles mourir maintenant. Toi je t'ai pas adressé la parole. Ton petit caractère de peste m'exaspère. Supporter ta vieille tête tous les jours m'exaspère aussi. À chaque fois, je fais des vieilles voix au peste. Fais gaffe à ce que tu dis, Rebecca. Je n'aime pas frapper les filles, mais tu pourrais bien en devenir l'exception. Vous me le payerez, vous aussi, Sean, Mia et Kimberly. Désolée de vous avoir dérangé dans votre conversation. Pardonnez-nous, s'il vous plaît. Ce n'est rien. Allons tous en cours. Mais Jayden n'est toujours pas revenu. Va le chercher, il est parti en direction de la salle de sport, je pense. Jayden? Oh, je te dérange? C'est moi, il rougit. Non, pas du tout. Il est amoureux de lui. Tu peux remettre ton pull, tu sais. Je ne m'entraînais, j'allais pas faire sport dans mon tout nouveau pull. Ah, oh oui, oui. Il a fond dedans, hein. On n'est pas censé avoir sport maintenant, mais français, tu fais quoi ici? Vos gamineries à toi, Rebecca, et les autres m'ont saoulé. J'ai autre chose à faire que d'assister à ce genre de choses. Mais ils ont dit que j'étais gay, j'ai bien dû me défendre. Pourquoi t'essaies de cacher cette partie de toi? Tout le monde sait que t'es gay, Mason. Être gay, c'est humain, je ne comprends réellement pas pourquoi tu caches ça. Je te laisse, on a français. Jayden, je... Ouais, même son pote, il est au courant. Qu'est-ce que t'essayes de cacher, là? Qu'est-ce que t'essayes de cacher? Mason n'est pas avec toi? C'est mon chat qui est en train de faire du bordel derrière. Non, puis il est resté seul dans la salle de sport, beauté. S'il pense qu'il va parvenir à Madouille Kimberly comme ça, il se trompe. J'avoue, s'il ose la toucher une seule fois, on le défoncera ensemble.
qui te fait sourire. Je trouve ça vraiment cool qu'on se protège toutes comme ça. Vous parlez de quoi, les filles? Ça te regarde pas. Attends, je mets sur pause parce que quand même, là, on voit en bas à gauche, il y en a un, il est en train de déprimer. Je crois qu'il est au bout de sa vie, il est en train de dormir sur la table. Je vais juste enlever le truc au chat. Petit chat. En train de s'amuser avec un stylo par terre, ce chat, il ne laisse pas regarder tranquillement. En plus, c'est super intéressant, je trouve, la série. Du coup, ouais, regardez le Gugus en bas à gauche. Là, il est en train de faire une frontale de front sur sa table. Voilà, une frontale de front, bien sûr. La suite. Ah bon? Mêle-toi de tes affaires. T'es mignonne quand tu t'énerves, toi. Et toi, t'es mignon quand tu dors. Il lui a mis une belle patate. Je sais, de toute façon, la prof n'est pas là. Là, je reconnais bien mon meilleur ami. Ah, lui, il s'est réveillé. Lui, il s'est réveillé. Il est en train de dormir, il s'est réveillé. Après les cours. Kimberly, fais attention avec Jayden. Il t'a regardé très perversement tout à l'heure. Je sais, j'ai remarqué, Mia. Je connais bien les règles du jeu. Ne pense pas que tu veux ce qui s'est passé l'année dernière se reproduise aussi cette année. Ouais, c'est... Non, bien sûr que je ne veux pas. Ouais, c'est fait violer derrière. Non, t'inquiète pas, on est là pour toi. Oh, merci les filles. Oh, la pauvre, je pense qu'elle a dû se faire violer l'année dernière. Vous l'avez sûrement compris, Kimberly s'est faite violer l'année dernière dans ce maudit jeu. L'heure avant de le désigner, le vainqueur, Jayden l'a attrapé dans un coin de la rue et s'est acharné sur tout son corps. Ça a dû être horrible. Si Jayden n'avait pas violé Kimberly juste avant les résultats, celui-ci aurait été à égalité avec Sean. Celui-ci a alors promis auprès de Jayden que cette année, ce serait lui qui gagnerait. Et non, Jayden, je pense que cette année va très mal se passer. On tremble déjà toute de l'intérieur. Ouais. Bah tu m'étonnes, c'est... Waouh. Je pense que je vais rentrer les filles. À demain. À demain. Oh là 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 là. C'est vraiment des bâtards, les garçons. C'est vraiment des bâtards. Claire, maman, je suis rentrée. Ah, pas de réponse. Elle est sûrement partie faire des courses. Ça pue. Je vais aller me reposer dans ma chambre. Ça pue. Elle est toute seule chez elle. Elle est toute seule chez elle. La fenêtre, elle est ouverte. Il y a bien un bon gros zoom des familles sur une fenêtre ouverte. Je sais pas quoi faire, moi. Alors, une heure plus tard. Bon, je vais aller faire un tour en ville, du coup. Ah! Et là, elle va descendre, il va y avoir quelqu'un chez elle. Ça, c'est, je me trompe, hein, mais... Bah, en fait, je me suis trompée. Je pense que les zooms, ils étaient aléatoires, c'est juste pour faire une sorte de... Ah, donne-moi ton fric. J'sais pas... Quoi, je n'ai plus rien, je viens de terminer mes courses. Mais c'est qui? C'est sa mère? Ta carte bancaire et ton code? C'est sa mère? Non, je ne vous la donnerai pas, sinon je n'aurai plus de quoi payer la vie de ma fille. Ok, goodbye. J'ai mis le petit smiley en mode... je vais te buter. Non, s'il vous plaît, ma fille m'attend à la maison. S'il vous plaît. Ah. Wow. Oups. Pff, quel mytho, celle-là, il lui reste encore plein de billets. La YouTube monnaie. À l'aide. À l'aide. Il la ramène avec moi. Attends, il lui a tiré dessus? Il veut la ramener? Il lui a tiré où? Bon, je suppose qu'elle a survécu. Je suppose qu'elle a survécu parce que sinon, il l'aurait pas emmené. Alors, je vais mettre sur pause, du coup. Je vais mettre sur pause. Eh ben, écoutez, je m'attendais pas forcément à cette fin-là. Je trouve après, la fin, elle est intéressante. Qu'est-ce que je pourrais dire par rapport... Parce que franchement... Comment, il y a tellement de choses, il y a tellement de déroulements possibles. C'est cool parce qu'en fait l'histoire déjà elle est originale. Je pense pas qu'il y ait d'autres histoires de ce type là sur MSP, sur YouTube, donc je trouve ça intéressant. Après c'est peut-être pas forcément tout public. Il me semble qu'elle, ouais c'est 13+, elle a bien marqué dans son titre que c'est pour 13 ans et plus. Moi j'aime beaucoup cette série.
J'aime beaucoup cette série. Moi, j'aime bien tout ce qui est dramatique, de manière, vous le savez déjà. Et du coup, je vous invite fortement à aller du coup sur la chaîne à All In MSP. Et donc voici la chaîne de la personne qui a créé cette série, et comme vous pouvez le voir, la dernière vidéo, donc vous voyez, c'est toujours d'actualité, encore active pour faire la suite de sa série, et du coup c'est l'épisode 4 de la saison 2, actuellement le dernier épisode sorti de la série Bad Secret Live. Donc j'avais bien raison, la première saison elle est terminée, et du coup celui que j'ai regardé c'est celui-ci, mais comme vous pouvez le constater, eh bien vous avez ici beaucoup d'autres vidéos, dont vous avez aussi des MSP versions, je pense que c'est des clips musicaux version MSP. Il me semble que vous avez aussi des mini-films, des en deux ou une partie. Vous avez pas mal de choses à regarder, et moi j'adore beaucoup ces miniatures aussi, je les trouve vachement belles ces miniatures. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à aller voir sa chaîne, à vous abonner à sa chaîne, à regarder la suite de sa série ou d'autres vidéos de sa chaîne tout simplement. Et moi sur ce, je vous laisse et je vous fais de très gros bisous, à très bientôt. We do it on repeat.